Bon, il pleut à bord, mais un petit orage. On n'a pas encore trop l'habitude de ça, et en plus, on est au-dessus de la montagne, donc. Non, mais surtout, le truc, c'est que le pire est à venir. Selon... Okay, c'est quoi cette... Le pire est à venir. Non, mais selon les applications, les alertes, c'est entre minuit et 3 heures. C'est vrai? Si jamais il y a un problème, tu te réveilles. Comme toujours. Tu surveilles un peu la situation et quand il y a un truc qui est un peu hors norme, tu me réveilles. Il est un peu agressif, non, le vent? On est d'accord, il est hyper agressif. La cellule comme ça? Non, non, il est pas si mal comme ça, parce que comme ça le vent en fait il fait comme ça, tu vois, il n'y a pas un attaque en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu as l'air là comme Moïse. Allez, rentre. Ce qu'on peut faire, c'est que si jamais il y a vraiment plus de vent, bah, on descend le truc et on rentre dans la voiture. Ça, c'est le dernier truc qu'on peut faire. Mais je ne suis pas sûr si on est là. Non, avec tous les services sales. Oui, on va mettre un peu le chauffage, t'inquiète. Ouais, mes chaussettes. J'ai tous les pieds mouillés. Hein? J'ai tous les pieds mouillés aussi, fait que j'ai mis les chaussettes. Bon, on est en voiture. On est dans la voiture. C'est cool d'avoir une cellule campeur. Non, finalement, on a décidé de se mettre ici parce qu'il fait vraiment beaucoup de vent. C'est trop fort. Et il y a tout qui bouge, il y a tout qui tremble. Donc... Ouais, il doit avoir entre 5 et 7 beauforts. Et ça, peut-être, là, ça tient, mais on n'a pas forcément envie de tester si ça tient ou pas, en fait. Parce que là, on est un peu au-dessus de la montagne et si tout s'envole, ben, ouais, on est complètement isolé, on est seul. On est en hauteur. Et c'est des nuages, en fait, d'humidité qui... T'as vu ça? Ouais. Ouais, on n'est pas placé, on n'est pas le mieux placé. Hein. Non, on n'est pas tous les meilleurs placés pour la météo qu'il fait. Bon, et ici, avec les box derrière et tout ça, c'est pas non plus qu'on est hyper bon. Compliqué. Après, c'est cosy ici. Hein. Ouais, c'est très cosy avec. Avec les sacs, les seuls trucs qu'on a pu. Et les coussins, au moins. C'est étonnant, mais le climat dans cette ville. Il n'y a pas d'humidité, c'est là-dedans. C'est assez agréable comme climat. Okay. Qu'est-ce que je peux te dire? Non, mais je veux dire, ça aurait pu être complètement humide aussi, désagréable. Mais... Je te rappelle, on va passer la nuit ici. Hein. On verra demain matin. On entend la lumière. Ouais. C'est comment? En fait.
fait, alors là, on est sur un énorme parking avec des supermarchés, des grandes surfaces. C'est bien la première fois après un mois on se pose sur un parking comme ça. Mais il a tellement plu hier que, en fait, on avait trop peur parce qu'on pensait que ça allait renvoler toute notre cellule. Donc du coup, on s'est dit, bah, en fait, on va se poser sur un endroit un peu plus sûr. Donc voilà. Donc si jamais quelqu'un sait jusqu'à combien de vents en fait ces cellules pop-up ils peuvent tenir, ce serait hyper chouette de savoir ça, parce qu'on avait en fait des rafales jusqu'à, je pense, 60-70 km/h. Donc voilà, on savait pas en fait ça va tenir ou ça va pas tenir. Voilà, ben fais-nous un petit commentaire si tu as une idée par rapport à ça. Non mais je t'y crois pas, c'est pas vrai, hein, sérieux ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 semaines, 3 semaines, les chiens ils ont volé la chaussure de David. On vient de se réveiller dans un endroit très incroyable avec un petit ami qu'on a assis à côté. Et on pense qu'il a bouffé la chaussure de David parce qu'on ne la trouve plus, il a disparu. Elle, c'était les 4 chaussures, elle était dehors et maintenant il n'y a que 3. Et là, ils ont volé ma chaussure. Mais c'est pas normal ça, on est d'accord, non? Tout tranquille, hein. il a pas fait de bruit, hein. Il est juste passé, non, il a pris sa chaussure et il est reparti. Il a pris ma chaussure, non pas sa chaussure. Il a rien dit. Non, mais qu'est-ce qu'il passe avec ses chiens, les Birkenstock? Birkenstock. Birkenstock. Allez, bref, moi, alors laisse-moi une chaussure à toi parce que là, c'est moi qui n'ai pas de chaussure pour aller faire pipi. Succès. Après de se faire bouffer 2 fois les chaussures par des chiens, on a racheté des chaussures. Mais cette fois, on ne va pas les laisser dehors. Non? S'il y a des chiens autour? Sûrement pas, non. Heureusement, on a arrêté dans ce parking. Et il y avait un outlet. Donc voilà. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on sait qu'il faut faire attention aux chiens parce qu'ils bouffent des chaussures. Alors, on est où? Je suis en train de ranger. Ouais. On est en train de ranger toutes les choses pour partir de cet spot magnifique. Cette fois, le spot, c'est pas du tout un parking et c'est magnifique. Regarde ça. On vient de poser la lessive au salon lavoir. Et bon, à chaque fois qu'on se fait une lessive, ça veut dire une petite bière pour attendre, non? Comment ça changeait, hein? À l'époque, faire la lessive, c'était descendre 4 étages en bas. Les samedis matin, parce qu'on avait pratiquement une journée. Et là, c'est comme, même si on doit faire quelques kilomètres pour arriver en ville pour faire la lessive, des fois on l'a fait aussi à moi. Hein? Et voilà, c'est le moment de prendre une bière. Pendant qu'on attend la lessive. Et l'avantage quand tu es dans des petits villages comme ça pour faire la lessive, c'est que 0,5, ça nous a coûté combien, David? 2,50 chaque bière. Ouais, je pense que c'est la meilleure marché qu'on a trouvé en Grèce. Regarde, quelle position, tellement orthopédique pour la vie de voiture. La vie, sérieuse. Il y a 1000 façons de laver une voiture. Non mais... Tout propre de nouveau. Là où il y a les propres, nous on est aussi propres.
trois jours qu'on est posé dans cette plage. C'est pas spectaculaire, mais on est très proche de la frontière. On va où, David? En Turquie. On a prévu en tout cas. Mais on est prêt ou pas? Ouais, je sais pas. En fait, on avait dit on va maintenant en Turquie. Et une fois on était dans la voiture, on n'avait pas pris les passeports, on n'avait pas fermé les toits. On n'avait absolument rien fait. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas même les données. Non, mais n'importe quoi. Ça fait un peu bizarre de quitter la Grèce après tous ces mois ici. On se sentait vraiment comme à la maison. Mais en même temps, on a envie aussi de connaître un nouveau pays, une nouvelle culture, des nouvelles nourritures. Allez. Comment tu voulais qu'on quitte la Grèce comme ça? C'était pas possible! Ouais, non, franchement, on a passé tellement de temps en Grèce, on a tellement vécu des choses en Grèce, on a vraiment adopté ce pays, donc il fallait quand même faire un petit bilan sur ces 6 mois. Bah oui! Dis-moi quoi, qu'est-ce que tu dirais que tu as aimé le plus? Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé beaucoup, mais en fait, pour ce qu'il faut dire peut-être en premier, c'est vraiment c'est le pays, c'est la nature, il y a tellement de choses à voir en Grèce et il y a tellement de belles choses à voir. Je suis tout à fait d'accord. Ce que j'aimais beaucoup, c'est la facilité de bivouaquer n'importe où, avec la tente, mais même aussi avec la voiture, parce qu'on a vécu les deux expériences. Ouais, tu trouves toujours un spot quelque part, perdu, seul, magnifique. En fait, c'est jamais une difficulté de trouver un beau spot. Là, des fois, t'as tellement de choix. Mais il faut dire que c'est aussi parce que nous, on a voyagé hors saison. Et ça, c'était vraiment un point à faveur énorme, parce qu'il n'y avait jamais personne. Des fois, on était dans un endroit où peut-être, si c'était l'été, je sais pas si ça aurait été possible d'être là. Ça c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Mais ce qu'il faut aussi dire que c'est un pays qui a tellement de choses à offrir en termes de différents paysages. En fait, il y a des côtes, mais abondantes. Il y a tellement de côtes, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Il y a les montagnes, il y a en fait les petits villages, il y a tout. Mais surtout, c'est la variété. Parce que moi, au début, j'avais déjà été en Grèce, mais c'est rien à voir les Cyloniennes avec les Cyclades, avec les Péloponnèses, avec Athènes, avec maintenant le nord de la Grèce, c'est complètement différent. Les paysages, ils sont différents et tu sens que, en fait, des fois, tu penses que tu vas dans un pays, tu vois une petite partie et tu penses déjà que tu as tout vu. Mais on a remarqué, parce qu'on a fait ça en vélo et après une partie en voiture, et même on a fait pas mal de randonnées aussi. Que les paysages, ils peuvent changer complètement. Ouais. Et moi, j'ai trop aimé ça. De voyager en hors saison, c'était particulièrement une bonne expérience parce que en printemps, on avait, on va dire, cette nature qui explosait avec toutes les couleurs, les fleurs, elles sortaient partout. C'était vraiment très, très, très beau, c'est vrai. Hein. Et en automne, même chose couleur, mais bon, après d'autres couleurs, on a aussi hyper apprécié. Et c'est vrai aussi, surtout pour notre tour en vélo, les températures étaient idéales en hors saison. C'était très agréable, même si au début tu as subi un petit peu. Oui. Et l'autre chose, c'est évidemment les gens. Et en fait, on a rencontré vraiment des gens hyper gentils, respectueux, ouverts. On s'est toujours senti bien. En fait, on n'a jamais eu aucun souci avec personne ici.
Non, alors au contraire, on a vraiment fait des rencontres vraiment touchantes et on a rencontré des personnes qui sont devenues des bons amis. Et qui nous ont motivés aussi beaucoup, ils nous ont montré aussi la simplicité de ouais. vivre. Franchement, belle leçon en simplicité parce qu'ils ont une façon de vivre et de voir la vie très simple avec des valeurs fondamentales, basiques. Nous, en tout cas, ça nous a passablement étonné ou impressionné. Non, tu vois aussi comment après toute cette crise économique et toute cette histoire aussi politique que la Grèce elle a vécue, comment quand même les Grecs, ils tiennent là, ils tiennent à ces valeurs et ils prennent les choses beaucoup plus ici que tu pouvais imaginer. Non ouais, ouais on, je dirais presque qu'ils les prennent avec philosophie, hein, ouais. pour dire comme ça, mais ouais. c'est vrai aussi que en fait, la difficulté économique, en tout cas au niveau des régions plus rurales, c'est que quand même les gens, ils se trouvent un petit jardin, en fait, ils font pousser des légumes, ils ont une poule et autres. Et ça leur permet de vivre avec très peu, mais souvent ils le disent, on a rencontré des Grecs qui disent, nous finalement, on nous a donné ces terres qui est magnifique et qui nous donne tout pour vivre. Et c'est vrai, c'est un peu ça qu'on a pu observer. Hein. C'est sûrement pas le cas à Athènes, mais en tout cas... Oui, et c'est les concepts d'autonomie aussi que tu vois chez eux. Exactement, oui. Et tu vois qu'ils sont sans maison, ils essayent de se fournir avec ce qu'ils sont et dépendre le minimum des autres facteurs ouais. externes à eux. Ouais. C'est vrai, cette notion d'autonomie, elle est très développée en termes de nourriture, mais aussi pour le chauffage. Beaucoup de gens, ils ont un chauffage à bois, et le bois, ils le trouvent dans les environs, parce qu'ils coupent du bois, leur bois. Tout ça, nous, on parle des personnes que nous, on a rencontrées. Oui, bien sûr. Oui. Et nous, on côtoyait, comment ça se dit ? Côtoyer des ambiants un peu plus alternatifs et différents ouais. que peut-être l'autre classe grecque. Non, je ne veux pas dire que c'est représentatif pour la Grèce, parce que pour ça, on n'a pas assez vu du tout de la Grèce, mais on va dire les gens ou les situations que nous, on a rencontrées, ça nous a impressionné dans ce ouais. sens-là. Ouais, tout à fait. Pendant tous ces 6 mois, on n'a jamais senti aucune agressivité. Mais je dis agressivité pas vis-à-vis de nous, mais même dans la rue, dans la circulation et autres. Je veux dire, c'est vraiment assez étonnant en fait. Ouais, c'est vrai qu'on on était dans plusieurs îles et dans les îles, les personnes ils sont différentes, je pense. Ils ouais. sont tous plus calmes, plus ici. Il y a beaucoup moins de stress. Et là maintenant aussi qu'on parle des personnes à niveau culturel, ça se dit comme ça, ça nous a aussi touché, on a aussi beaucoup aimé, comment ouais. tu dis ça? Alors, en fait, quand tu rentres en Grèce, tu as en fait cette idée de culture de la Grèce antique, etc., qui est très présent parce qu'il y a tellement de sites avec des pierres, ou on va dire, empilé avec toute une histoire derrière qui est très impressionnante. Mais tu as aussi la culture moderne, la culture contemporaine que nous on a peut-être un peu plus vu et que qui nous a aussi étonné, ou en tout cas qu'on a vu à quel point elle était riche, cette culture ouais. contemporaine. Bravo les Grecs, surtout ouais. on a vu ça, on a vécu ça à Athènes aussi ouais. et même dans les squats où on était on ouais. a pu aussi observer tout ouais. ça. Vraiment une culture alternative très très développée et très riche à Athènes, mais même dans d'autres lieux. Ouais, à Corfou aussi, on a trouvé ça. C'est un truc qu'on aimait aussi beaucoup, il faut dire, c'est la bouffe. Ouais, ouais trop bon la bouffe. Ouais, les marchés, les petites tavernes, tu peux toujours te poser aussi à n'importe quelle heure dans la journée, c'est toujours ouvert, tu peux aller, tu peux boire, tu peux manger un petit ça, truc. Ah ça, je suis pas d'accord, à n'importe quelle heure de la journée, c'est pas ouvert. Ouais, quand même, bon après ça dépend, si il faut la sieste quand même. Si tu es hors saison et tu es entre 2h et 5h, c'est un peu le moment de la sieste, mais ça c'est dans les lieux qui sont pas du tout touristiques, sinon voilà. Oui, c'est vrai. La vie aussi de la rue, de faire beaucoup de vie dans la rue, ça j'ai aimé beaucoup parce que ça aussi me rappelle au pays du Sud, me rappelle aussi à l'Espagne et ça, il faisait longtemps qu'on n'avait pas ça en Suisse. Ouais. En tout cas, dans l'ensemble, il faut vraiment dire c'est un grand coup de cœur, ces 6 mois en Grèce et ça nous a vraiment marqué et surtout les rencontres et donc du coup on aurait presque aussi envie vraiment de dire merci. Merci la Grèce pour ces mois qu'on a vécu là et voilà. Ouais.
c'était une chouette expérience. Ouais, merci. Merci beaucoup. Et bon, on se voit la prochaine fois en Turquie. Non? Ouais, en Turquie. On est déjà en Turquie. Scoop, scoop, je dis. Coupe, coupe. Mais ça se voit aussi. Mais le drapeau, il est pas dessus, non? Le drapeau, il est juste à côté. On l'a juste ici à côté. Et la police, juste en face de nous. Ok, ciao. Ciao.